Les principaux candidats dans Jean Talon ont amorcé leur porte-à-porte cette fin de semaine en vue de l'élection partielle du 2 octobre. Alain, vous êtes aussi allé rencontrer les électeurs sur le terrain ce matin pour connaître leurs priorités et prendre le pouls. Parce que c'est plus de 46 000 électeurs inscrits là, qui feront le choix de leur prochain représentant dans la circonscription de Jean Talon à peine un an après l'élection générale. Évidemment, comme partout ailleurs, on parle du coût de la vie, du logement et pas beaucoup du troisième lien. À 28 jours du scrutin. Ça serait important de faire dans Jean Talon cette élection partielle? Moi, je dirais plutôt que c'est plus ou moins le coût de la vie et puis les transports en commun. Comme partout au Québec, la hausse du coût de la vie inquiète. Avec les loyers qui montent, qui grimpent incessamment d'année en année, ça devient quasiment invivable. Jean Talon, c'est 29 km² situé à l'ouest de la ville de Québec, très scolarisé avec une université et deux cégeps, revenu moyen pour un couple, 133 000 $ par année. Une circonscription très cosmopolite, avec une bonne communauté africaine, arabe et latino-américaine. Ici comme ailleurs, on parle de pénurie de logements. Actuellement, il y a une crise de besoin de logements terrible, vu la rentrée scolaire, que ce soit au niveau de cégep, au niveau de l'université. Il y a des gens, ils ne trouvent pas où louer. On parle beaucoup là, d'un pôle d'immigration, un pôle de pauvreté, entouré aussi de gens un peu plus nantis. Mme McKenzie s'occupe avec son organisme de 1500 familles immigrantes. La hausse des logements, surtout dans Jean Talon, a augmenté de façon exponentielle. On parle là, des fois là, dans certains quartiers, dont Notre-Dame-de-Foy, où les appartements pas toujours les plus salubres sur la planète peuvent atteindre 1 200 là, non chauffés, non éclairés. Ça devient impossible de vivre dans Jean Talon pour plusieurs familles à cause justement de la crise du logement puis du manque de logements abordables. Retour à l'épicerie Le Goût du Monde, qui se trouve à un jet de pierre du passage du tramway. Le tramway, est-ce que c'est un enjeu, ça, d'après vous? Oui. Je pense que ça pourrait faciliter la tâche à tout le monde, même aux gens véhiculés, pour aller au travail et tout. Le tramway va m'aider, mais je prends le bus puis j'avais pas besoin de m'en plaindre non plus. Troisième lien, ça va-tu être un enjeu, ça? Ben, je pense que tout le monde l'a oublié, le troisième lien. Je pense pas que ça va se faire, que ce soit pour le transport en commun ou pour les autos, ça se fera pas. Là. Troisième lien, c'est absolument pas important pour eux ni pour moi, donc pour nous, ça nous passe vraiment par-dessus la tête. J'aimerais bien qu'ils s'occupent des liens existants avant d'en mettre un troisième en branle. L'ex-députée connaît bien la circonscription. Maintenant, analyste à la joute et au bilan, elle sautera sur la glace ce lundi soir. Le plus grand défi, est-ce que c'est le logement pour une analyste? Ça va être quoi? C'est le pont de Québec? C'est le tramway? C'est le troisième lien? Bien, le logement, c'est effectivement un bon défi parce que les gens, souvent les nouveaux arrivants qui viennent s'établir ici, bien, veulent avoir accès au transport en commun qui est plus facile dans Sainte-Foy que dans la Couronne-Nord, par exemple. Donc, je pense que si Québec était mieux desservi à la grandeur de la région de Québec, peut-être que les gens seraient peut-être plus tentés pour aller s'établir, par exemple, à Val-Bélair. Les candidats ont moins d'un mois pour convaincre les électeurs de Jean Talon pour voter pour eux. Le vote par anticipation aura lieu le 24-25 septembre, le vote général le 2 octobre. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.